Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit problème que l'on peut avoir avec nos plantes. Que faire lorsque ma plante n'arrive plus à boire, c'est-à-dire lorsque le terreau n'arrive plus du tout à retenir l'eau. Ça peut vraiment arriver et moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois puisque je fais partie de la team n'arrose pas assez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé et on peut très bien y remédier. Alors, pas toujours, hein, on va le voir juste après. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment voir dans un premier temps comment se rendre compte qu'un terreau, en fait, ne retient plus l'eau et donc ne peut pas la redistribuer à la plante puisqu'il n'y en a pas. On va voir aussi comment y remédier si c'est possible et également que faire, quoi mettre en place en amont pour essayer d'éviter ce souci lorsqu'il s'agit principalement d'oubli d'arrosage. Alors, comme je l'ai dit, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir réhydrater le substrat. Comment je m'en suis rendu compte? Bah, tout simplement, en fait, lorsque vous allez arroser votre plante, vous allez voir que le terreau, eh bien, s'écoule directement par les trous de drainage. Normalement, quand le terreau est sain, n'est pas desséché, qu'il va retenir l'eau, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrose, on voit l'eau qui descend tout doucement, et il faut un certain laps de temps avant de voir l'eau s'écouler par les trous de drainage. Là, ça ne va pas être le cas. Vous allez vraiment arroser et tout va s'écouler quasi directement des trous de drainage. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, ça peut être aussi tout simplement un décollement du substrat des parois du pot. Donc ça aussi, cette rétractation, c'est également un signe que le terreau est asséché. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait que notre terreau est complètement desséché? Que fait-on pour y remédier? On va pouvoir, dans un premier temps, d'abord essayer de le réhydrater. Ça peut fonctionner si le problème est principalement à cause d'oubli d'arrosage. Soit ça peut être aussi, comme moi, le fait de ne pas arroser suffisamment les plantes. Ça peut amener ce type de souci par moment. Donc, vous allez prendre un récipient plus large que votre pot. Vous allez mettre le pot de culture, donc bien avec les trous de drainage, dans ce récipient qui est un petit peu plus large que votre pot, un petit peu ou beaucoup, peu importe, tant qu'il soit quand même suffisamment haut, parce que vous allez devoir soit immerger complètement votre pot, soit au moins mettre de l'eau aux deux tiers de la hauteur du pot de votre plante qui est desséché. Et une fois que c'est fait, vous allez laisser votre plante là, au fait, pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ça arrive que ça prenne vraiment plusieurs heures aussi. Donc, c'est pas au bout de 10 minutes que le terreau va forcément se réhydrater, surtout s'il est très, 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 très sec. Vous allez voir au bout d'un moment, au fait, déjà la couleur du terreau qui aura changé en surface. Et pour savoir s'il est bien de nouveau imbibé, bien réhydraté, il suffit de venir toucher le dessus. Quand le dessus est humide, eh bien, normalement, c'est que toute la surface est bien réhumidifiée. Là, vous retirez le pot de votre plante, vous laissez égoutter si jamais il y a du coup un petit excès d'eau, mais normalement, ça ne devrait pas. Mais voilà, vous laissez quand même égoutter quelques minutes et ensuite, vous replacez du coup votre plante à sa place, sur sa soucoupe ou dans son cache-pot. Et voilà, du coup, votre terreau est bien réhumidifié. Maintenant, ça peut arriver que malgré ça, il ne se réhumidifie pas du tout ou pas suffisamment. Il peut aussi parfois se réhumidifier un petit peu, mais bon, c'est pas trop ça, et il ressèche tout aussi vite au fait. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de venir rempoter votre plante, changer tout le terreau pour apporter un substrat neuf
qui va à nouveau du coup pouvoir eh bien absorber l'eau correctement et la redistribuer à la plante par la suite. Donc voilà, vous avez vraiment deux solutions. D'abord, vous pouvez tenter de réhydrater et si ça ne fonctionne pas, alors vous rempotez votre plante. Maintenant, si on est au printemps, que vous n'avez pas rempoté votre plante depuis l'automne dernier ou l'été dernier, bah, ne chipotez pas à essayer de réhumidifier votre terreau, changez-le directement puisque de toute façon, on est au printemps et c'est le moment de rempoter les plantes. Donc voilà, dans ce cas-là, bah, vous ne prenez pas la tête, hein, vous faites un rempotage directement. Si le problème vient d'un terreau qui est trop vieux, là, c'est quasi pas la peine d'essayer non plus de le réhumidifier. Il est préférable de le changer parce que c'est une quasi-certitude qu'il ne va pas se réhumidifier parce qu'il est trop vieux, tout simplement. Donc là, voilà, pareil, vous retirez et vous rempotez votre plante. Donc on vient de le voir, c'est pas trop compliqué de se rendre compte que son terreau est soit trop desséché d'un manque d'arrosage, soit trop vieux et ne retiendra du coup plus du tout l'eau. On a vu pourquoi, on a vu comment y remédier si c'est possible. Donc soit on réhydrate, soit on rempote. Et maintenant, on va voir un petit peu quelques petites astuces pour essayer d'éviter que ça arrive, surtout si vous êtes comme moi de la team de pas arroser assez ou encore voilà, que vous, tout simplement, vous oubliez parfois ou souvent d'arroser vos plantes. Ça arrive, c'est pas dramatique non plus. Il vaut mieux d'ailleurs un manque d'arrosage qu'un trop plein d'arrosage. C'est plus facile quand même à rattraper. Donc voilà, on va voir quelques petites astuces pour vous rappeler d'arroser vos plantes. Vous pouvez vous mettre une petite notification. Vous avez même pas besoin d'avoir une application pour ça. Un simple rappel, une petite alarme sur votre téléphone. Vous mettez tout simplement le titre de l'alarme « Vérifie tes plantes ». Voilà, ça peut être suffisant déjà, au moins pour vous rappeler comme ça de « Ah oui, il faut que je vérifie mes plantes » parce que bah, des fois, on a une vie voilà, qui fait qu'on peut oublier parce qu'on a eu beaucoup de boulot, parce qu'on est crevé, parce qu'on a été malade, parce que bref, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir oublié d'arroser nos plantes. Donc voilà, un petit rappel. Comme ça sur le téléphone, ça peut déjà être une petite solution. Deuxième solution, vous pouvez aussi utiliser des pots à réserve d'eau comme celui que j'ai là derrière moi avec ma petite fougère qui va super bien et m'a fait des nouvelles pousses. Donc je suis trop contente puisque j'ai déjà zigouillé plein de fougères et je pense que le pot à réserve d'eau y est vraiment du coup pour quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois avant et ça ne fonctionnait pas. Alors pourquoi la réserve d'eau ça peut être une solution? Bah, tout simplement parce qu'il vous suffit de réapprovisionner la base, donc vous avez des pots comme ceci, vous en avez plein de différents, vous en avez aussi de la marque Hello, avec une petite jauge qui vous dit, qui vous donne un petit peu le niveau d'eau de la réserve, donc ça peut être sympa aussi. L'avantage c'est que c'est la plante qui va absorber l'eau dont elle a besoin quand elle en a besoin, donc c'est vraiment un petit peu plus autonome au niveau de l'arrosage. Bon, bien sûr, évidemment, il ne faut pas oublier de venir réapprovisionner du coup la réserve d'eau, mais là pareil, vous pouvez vous mettre une petite notification sur le téléphone, réapprovisionner la réserve d'eau, et là comme ça il n'y aura pas de problème. Mais au moins suivant la quantité de la réserve d'eau et de comment vos plantes vont absorber l'eau au fur et à mesure, vous saurez plus ou moins tous les combien de temps vous devez réapprovisionner. La troisième solution, ça va être les œillas. Les œillas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits contenants, en fait, de matières différentes. Voilà, sur le dessus, ils peuvent être, par exemple, émaillés. Mais le bas est généralement en terre cuite brute, tout simplement parce que eh bien, c'est ça qui va venir irriguer le substrat de votre plante. Donc là, c'est vraiment cette porosité, encore une fois là, qui va faire que l'eau va passer du petit contenant directement dans le substrat. C'est à planter dedans. Il y en a qui existent aussi pour le jardin. J'en ai un au potager, j'en ai une au potager, mais il y en a pour des plantes d'intérieur de taille différente. Vous avez aussi les boules d'arrosage qui sont soit en verre ou en plastique. Bon, moi, les boules d'arrosage vraiment en tube,
J'aime pas trop, je trouve que ça fonctionne pas très très bien. C'est mieux quand vous avez par exemple des petits oiseaux aussi, ils ont le bout souvent en terre cuite. Et là, voilà, ça va permettre du coup d'irriguer le terreau. Et vous en avez de contenances différentes, des petites, des moyennes, des grandes. Donc ça, ça peut être aussi une solution pour vous parce qu'en même temps, c'est un petit visuel supplémentaire. Vous voyez vos Zoya, bah voilà, vous dites, ah oui, Zoya, je vais regarder, je vais profiter, j'ai 5 minutes, je vais profiter pour regarder toutes les Zoya de mes plantes, par exemple, pour les réapprovisionner également en eau. Donc ça, ça peut être une solution aussi. Et une autre solution pour essayer d'éviter que ça arrive, c'est par exemple d'utiliser plutôt des pots plastiques. Je vous renvoie vers ma vidéo sur quel pot choisir, parce que si c'est un cactus, là, ça va être un peu compliqué. Voilà, vous pouvez pour certaines plantes vous dire bah, je vais plutôt privilégier le pot plastique que le pot terre cuite parce que j'ai tendance à ne pas arroser assez, parce que l'air de chez moi est très sec et parce que c'est une plante qui a besoin de pas mal d'humidité. Donc vous pouvez aussi jouer là-dessus sur le pot que vous allez utiliser. Mettre peut-être parfois aussi un petit peu moins de perlite, parce que si vous mettez 50% de perlite pour 50% de terreau, ben ça fait quand même beaucoup. Donc, alors c'est bien pour la plante, mais voilà, si vous n'arrosez jamais et que vous avez un substrat qui sèche très vite et en plus dans un pot terre cuite, vous voyez un petit peu le combo fait que votre plante va complètement s'assécher très rapidement, surtout si vous n'arrosez pas assez. Une autre solution pour vraiment bien arroser aussi ces plantes, c'est de faire prendre une bonne grosse douche. Ça, c'est l'idéal voilà, pour les plantes. C'est de venir les doucher, feuilles et terreau compris. Donc là, c'est quand vous devez faire un arrosage parce que vous, là, vous êtes certain que vraiment tout le substrat aura bien été humidifié correctement. Tandis qu'avec un arrosoir, bah, il faut bien passer partout aussi autour. Si vous ne faites pas ça, ça va peut-être, voilà, le terreau va peut-être absorber d'un côté puisque vous êtes resté au même endroit et pas de l'autre, vous voyez. Tandis que... je perds mes cheveux. Tandis que si vous faites vraiment une douche, là vous êtes sûr que le terreau aura été bien humidifié de manière homogène. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important quand vous arrosez vos plantes, que vous le fassiez avec un pommeau de douche, une douchette de cuisine, un arrosoir, bref, c'est vraiment de venir bien humidifier toute la surface du terreau. Donc voilà un petit peu pour les différentes solutions. Je pense que j'ai tout dit. Alors je ne vais pas inclure dans cette vidéo la culture en pont, etc. parce que là c'est vraiment pour les débutants et la culture en pont pour moi, pour une personne qui débute avec les plantes, voilà, je la recommanderai pas parce que ça demande déjà des engrais spécifiques, ça demande de faire aussi attention qu'il n'y ait pas, voilà, que ce soit suffisamment humide, mais pas trop non plus. Il y a des personnes qui ont essayé la culture en pont et qui ont complètement noyé leurs plantes, par exemple. Voilà, parce que l'arrosage n'était pas dosé. Maintenant, si on parle du fait qu'on n'arrose pas assez, ben, bon, ça pourrait éventuellement être une solution, mais je trouve que c'est une culture encore à part. Et personnellement, comme je ne l'ai pas encore testé, voilà, je ne vais pas non plus commencer à donner des conseils là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez d'autres questions ou à partager votre propre expérience aussi lorsque vous avez eu aussi ce problème-là de plantes qui n'arrivaient plus à boire parce que les terreaux étaient complètement desséchés. Comme ça, bah voilà, si vous avez des petites astuces peut-être en plus que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, ça pourra servir du coup à d'autres personnes. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, comme d'habitude, et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve bien la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!